What would you like to do if money were no object? Well, how would you really enjoy spending your life? We'd like to be painters, we'd like to be poets, we'd like to be writers, but as everybody knows, you can't earn any money that way. And forget the money, because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is, to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Au mois de mars dernier, nous sommes allés à Madagascar pour aider à réaliser un projet écologique mais humanitaire avant tout. Nous avons formé un petit groupe de voyageurs et nous sommes partis à l'aventure. Et si vous voulez savoir qui sommes-nous, je vous invite à regarder ma vidéo précédente afin de vous familiariser avec tous les éco-volontaires de Madagascar Green School. En ce qui nous concerne, nous avons majoritairement décollé d'Alger. Et pour vous situer un peu, laissez-moi vous montrer notre parcours. Alors nous sommes partis d'ici, l'aéroport international Houari Boumediene à Alger. Et notre destination se trouve ici, Madagascar, la cinquième plus grande île au monde, à l'autre bout de l'Afrique. Il nous a fallu 2 jours pour y arriver à cause des longues escales qu'on a eues afin de pouvoir bénéficier du billet le moins cher. Je vous laisse donc découvrir notre petit périple à travers 2 continents, 5 aéroports, 4 pays, 3 avions, 1 bus. Oui, oui, tout ça. Ce fut un très long voyage, donc si vous voulez passer directement à notre destination finale, allez à la minute qui s'affiche sur l'écran. Mais je vous conseille de tout regarder, vous allez bien rigoler. Bref, let's get started. On a passé notre première nuit à Doha. On a préféré rester à l'aéroport pour économiser les dépenses d'un visa et d'une nuitée à l'hôtel. Si un jour vous avez une longue escale au Qatar, je vous conseille de faire de même, car l'aéroport est très adapté pour avoir tout le repos nécessaire. C'était même impressionnant. Nos vols avec la compagnie Qatar Airways étaient très agréables. C'était les premiers longs courriers que je prenais, et de loin les meilleurs. On a eu la chance de tomber sur des vols pas très chargés, donc on a bien profité des sièges vides pour dormir comme à la maison. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tout l'équipage qui a été aux petits soins avec nous. Ils nous ont même fourni des couvertures et de la nourriture supplémentaire pour notre nuit à l'aéroport. Donc merci infiniment. We made it. Comparé à l'aéroport de Doha, celui de Nairobi était clairement plus petit et nettement moins pratique pour y passer la journée. Mais cela ne nous a pas empêchés de passer du bon temps. Oui, Quincy.
On a dû passer, comme on a le visa, c'est bon, il a fallu qu'on remplisse juste un petit truc à l'intérieur. Donc on est en train d'attendre les bagages. On a aussi fille Faisal ou Amine, ou Lamine, il m'a un grand visa. Donc on peut faire le visa à l'arrivée ici sans aucun souci. Elle coûte, je vais vous confirmer le prix, normalement 30 €. C'est moins cher de le faire en Algérie. Je vous conseille de le faire comme à Alger. Maintenant, on attend les valises. On est ma valise, Mistina. Bon, Hadel Kabali fait les dents. Oh yes! Bismillah. Oh mon dieu. Jibril Rbita hiya rahi thqila ka aitik. Bref, je vous fais un room tour avant de mettre Zerbe dans la dunya gaïtik parce qu'on a 3 dans les chambres d'hôtel, donc Zerbe à la hikol. On a un lit, t'as une place, deux places, et on a cuisine. Mais je suis obligée de me faire un peu. Donc voilà, il est. Et demain, on a un rendez-vous très 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 important. Bref, alors on est en urgence, les amis, douche. Je n'en peux plus de moi-même. Narzana. J'étais en train de penser à un truc, même si je ne m'en. Allez, je passe au payam. Je peux pas crier. Je vous jette ma gueule. Ils nous ont préparé des samsa. Ils sont super gentils. Là, l'équipe de maman est pas là. Je suis dans le pilote de l'aéroport. Amine, Lamine, Faisal, Asma, Sarah. Et voilà, on va manger. Oui, et tu essaies de retourner le cycle là, tout doucement. Avec l'équilibre. Il n'y a pas de soleil.
Il n'y a pas 203. Tu veux ça peut-être là. Filme. J'ai écouté ici pour le Baptiste, tu m'as sara ou ça y est, ou là. Scénario, on capte, خلاص. Djadjad. Ok, pour le gars, scénario. Pour le gars, il a mis le scénario. Scénario, c'est ça marche. Il y a un scénario. شتي دايره حاله ما شاء الله هذا خاوتي انا ما نرقدش بيا مانيش عارف تسمحوا لي سمعت والله هاليلويا Enfin, appelez comme Saha. Bonne nuit. Merci beaucoup. Désolée pour le dérangement. Sabahoul Khair. Oui, qui mène l'aventure. Anna Aldoun Bdawha, Fulbus en compagnie de Jumaa Essena. Thank you.
par les 5 grands thèmes différents. Premièrement, le village a sa propre histoire, le village a sa propre philosophie, le village est un lieu de ressources et d'inspiration, le village est artisanal, le village est écologique. Je vous invite à entrer par ici. À 15 km de l'ouest du centre-ville d'Antananarivo, à Amboidratrimo, Tsaratanana ou Joli Village, l'un des premiers éco-villages de Madagascar. C'est en août 2007 que l'aventure commence grâce à l'association Yo Contigo Espérance Solidarité Internationale qui a permis à ces personnes de vivre dignement. Cette association a commencé par se débarrasser de l'alphabétisation. Car s'ils avaient construit que des maisons, les gens seraient restés dépendants. Donc beaucoup de formations ont été associées à la construction des maisons. Et c'est ce qui fait que Tsaratanana est ce qu'il est aujourd'hui. Actuellement, 17 familles vivent au sein du village, soit 75 personnes environ. Ces familles pauvres auparavant sont aujourd'hui autonomes et vivent dans le respect de l'environnement. Le fonctionnement de Tsaratanana est basé sur des principes écologiques. Aucun produit chimique n'est utilisé pour préserver les plantations. À Tsaratanana, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Ça, c'est un point qui montre l'hôtel à insectes. Donc, c'est pas seulement les vers et les abeilles que nous entretenons aussi les autres insectes. Tout en haut, on peut recevoir des coccinelles. Un peu plus bas, les abeilles maçonnes, au milieu, les papillons et tout en bas, les coccinelles. Ces plantes servent à filtrer l'eau des douches. Elles permettent de nettoyer l'eau avant que celle-ci ne se déverse vers les autres plantes. Le système des toilettes sèches permet d'économiser l'eau et de conserver sa propreté. La politique de gestion du village est basée sur la collaboration et non la compétition. Donc il n'y a pas de présidence. Il y a 4 coordinateurs, 2 hommes et 2 femmes, et un conseil d'administration, où chacun a une responsabilité particulière dans le village. Sur une terre nue, cette association a fait naître un miracle de dignité, de travail, d'éducation, d'équité et de transmission au bénéfice d'une population pauvre. Le village a été nommé Tsaratanana, qui veut dire « joli village » par les familles bénéficiaires qui en participaient activement à sa réalisation. Tout ça dans le but principal d'offrir un modèle de lutte contre la pauvreté et d'apporter un changement durable à cette communauté. So, on vient de finir en principe la visite à Head le village écologique. Écoutez ça. Écoutez ça. Calme. Les gens sont super sympathiques. Donc, comme il expliquait tout à l'heure, les gens dans le besoin, on leur construit là, des baraques, des maisons. Elles sont super bien faites, regardez, c'est des chalets faits en bois, ou c'est des maisons faites en dur. Et c'est super sympa comme endroit, j'adore. Après cette visite très intéressante de l'éco-village, Igino nous a emmené à un petit restaurant afin de goûter à quelques spécialités locales. Banane frites, viande de zébu et le bon jus de grenadelle. Et on a fini la journée par une séance de travail à l'hôtel afin de discuter de la suite du programme. Le matin, on a dû se réveiller très très tôt, comme tous les jours d'ailleurs. Et c'est pour rendre visite à l'animal emblématique de Madagascar. Mais avant ça, il fallait qu'on mange, car on avait très très faim. Donc on s'est arrêté dans ce magnifique restaurant qui est juste à l'entrée du parc Analamazotra, où on a aussi pu se reposer car le chemin a été très long. On a profité pour déguster quelques spécialités locales, et comme on n'avait pas trop le temps de chercher des restaurants halal, on mangeait soit végétarien, soit du poisson qui était vraiment délicieux. Ce restaurant se trouve au beau milieu de la nature, donc si vous passez par là, je vous conseille vivement de faire une petite pause là-bas. I'ma give you anything you want, and I'ma give you anything you need. Bad man, hey, why I'm doing? Said I'm in love with you, and I'ma give you anything. C'est bon, mon retour chabab hadak. On se rend enfin à Ranaf, le parc qui m'a suite Chousmou. Je vais vous le mettre ici parce que l'asmaou taham bzaf saab. Et on va à la rencontre des lémuriens. Le lémurien, c'est l'animal emblème de Madagascar. Vous savez, normalement, là, tu vois les dessins animés qui m'a anaya avec le roi Zema. Come on, everybody.
everybody! Let's go and meet the pansy! هذاك هو لوليميوريان. دونك اسكي باري هو ينوض من 8 ل 10 هكذاك، وحنا راهي دركا شحال راهي الساعة؟ 12 هكذا. من 8 ل 10 ينوض. اه. قاعد تزيد كوالا. زيد شوية رقعة. 8 ل 10 سيريوزمون. انا من 5 تاع الصباح حنا برا. قالها. جيسبيغ كو يدير فينا مزية ويطلع علينا شوية. En tout cas, c'est magnifique le parc intérieur, la nature. Hala, je vous laisse regarder ça. On est accompagné par un guide local qui se trouve être la cousine de Idjino. D'ailleurs, merci beaucoup. Idjino, il est là pour venir la visite là-bas. Là-bas. On est à la recherche des lémuriens. Les guides Irahim Hanach, là, c'est un bon moment, elle est partie les localiser. Donc j'espère vraiment qu'elle les a trouvés. Parce que comme je vous ai dit, la période d'activité de Ham, ça va mettre mignon à l'âge. Donc on va voir, j'espère qu'elle les a trouvés. Comme vous pouvez le voir, la forêt est vraiment à l'état naturel. Un spectacle incroyable auquel on a pu assister malgré le fait qu'on soit arrivé en retard. On a eu la chance de rencontrer plusieurs espèces de lémuriens, y compris le plus rare, le Indri-Indri, car ce dernier n'existe dans aucun zoo au monde. Il refuse d'être chassé et il cesse de se nourrir dès qu'il est en captivité. Mais il n'y avait pas que des lémuriens dans le parc. On a aussi pu admirer ce joli martin pêcheur qui m'a gentiment laissé le prendre en photo. Et ce petit caméléon qui faisait sa ronde. Il faut savoir surtout qu'à Madagascar, il n'existe pas de gros animaux sauvages, contrairement à ce qu'on pourrait le croire. Mais les bêtes les plus redoutables et dont il faut se méfier sont les plus petites. Les insectes et surtout les moustiques. Et ce qu'on a vu dans ce parc n'était que le début. Après la visite d'Analamazotra, on a repris la route vers le nord, à quelques kilomètres de la réserve. Il y avait un autre parc naturel où on allait pouvoir admirer les lémuriens d'encore plus près. Hi. Donc, comme le nom du parc, c'est Analavachuna. Non, je ne sais plus. D'ailleurs, Durkara na fi Vakuna. Donc, là, on a vu les lémuriens et tout. Là, à ce qui paraît, il y a les Hnoucha. Ça, c'est une autre race de lémurien. C'est pas un bébé, c'est sa taille. Ah, d'accord. Ils sont petits, tout mignons. Kissi. Comment ça s'appelle, les lémuriens de bambou? Bambou, voilà. Mangeur des pousses de bambou. D'accord. Bibi. Je te gêne surtout pas. Écoute, mriha ton kifi amel. Voilà. Aïwa, hab gabel. Aïwa. Zid darba bouhda. Atiya, atiya. Bouhda.
De ce côté de la forêt, il y a ces lémuriens assez spéciales. Il y a le variroux, au pelage aux couleurs de feu, qui n'aime pas trop l'eau, donc il ne traverse pas la rivière. Et il y a celui-là, le sifaka à diadème, connu pour sautiller sur ses pattes arrière. Bon, je vais manger... C'est quoi ça? Je vais manger du goyave directement cueilli mchidjara. Mlraba, puis Madagascar. Aoula mina obda. Flashback. Ça a quel goût? Un goût qu'on doit cracher. Amin, il a déjà mangé avec halwa, donc je vais goûter un atel. Je suis testeur. Amin, oui, si, il n'a qu'une chose. Déjà, il n'a pas de test à qu'une chose. Aïe, bismillah. Eh, mais elle est bonne. Halwa, hamda. La rebnine, donc on peut me le manger. Genre, hamda, moi, je suis loin. Regarde. Yanni, de base, je suis à clouer les murs. Mais ça, décidément, je suis à me le manger. À cause de la déforestation, le lémurien perd son habitat naturel. Alors il se retrouve menacé d'extinction, ce qui impacte fortement la flore unique de l'île. L'être humain ne se rend pas bien compte de la fragilité de la nature, mais surtout de son importance. Le seul inconvénient qu'on a rencontré à Madagascar, ce sont les routes. Soit elles étaient trop étroites, soit elles étaient complètement cabossées. Donc on perdait beaucoup trop de temps lors de nos déplacements. Mais heureusement, ce n'était pas une grosse perte, car on restait émerveillé à la vue de tous ces paysages magnifiques. Après cette petite randonnée très forte en émotion, on a repris la route à travers la forêt pluviale. Et la pluie était bel et bien au rendez-vous. Comme vous pouvez le voir sur nos têtes, on était très fatigués en arrivant à Tamatave. On n'avait qu'une seule envie, manger et dormir. On était tellement fatigués qu'on avait même la flemme de manger. Donc on est resté dans le restaurant de l'hôtel où on a encore pris du poisson et du riz. Il faut savoir qu'à Madagascar, le riz n'est pas un plat, mais un accompagnement. Un peu comme le pain chez nous. Ça, c'était notre chambre d'hôtel. On avait une chambre double, très propre. On a même eu droit au Nouveau Testament, mais en allemand. C'est sûr qu'aucun de nous ne l'a lu. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est bon, on est le troisième jour. Et aujourd'hui, on va partir à Full Point. On est réveillé, on s'est réveillé en retard aujourd'hui parce que maintenant je le réveille Berk, on était tellement fatigué. Rana Fitamatave et puis Strawi Nadorka et tout et tout et tout. On a fait tout ce qu'il faut. Voici l'hôtel dans lequel on était. C'est assez sympa comme hôtel, c'est assez propre. C'est propre en fait, c'est pas assez propre, c'est très propre. Et voilà, c'est pas très cher. C'est sur une rue passante, donc on peut prendre les tuk-tuk à demain. Et nous, on va prendre ça, ce petit bus qui va nous emmener jusqu'à Full Point. Je vous montre l'intérieur de l'hôtel. Donc voilà. Il y a même une chapelle pour prier ici, je viens de la voir. Là, on a pris notre petit déj. On va voir les autres. C'est bon? Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est bon, Raha? Ouais.
رحت لبنك جينا باش نديرو شونج واحد الغاشي راهو سي با بوسيبل دوكا قالوا لنا بلي لي سيترونجي يقدروا يجيو بلا ما يديروا لا شين جو سي با اسكو صح هاد العفسه مي ليسونسيال راح يديروا فينا بليزير دونك راح ندوزو ديريكتومون مزيان دايوغ باسكو راه فري الغاشي دونك حمد لو لي جان روحوا كاع هيا Here come the hot sniper, I'm the lyrical gangster, big up the crew in the area, still love you like that, no, no, we don't die, yes, we multiply, anyone press will hear the fat lady sing. Wow, c'est bon, Rana Farina Hamland Orange, Shrina Gadi Plus pour avoir internet et pouvoir communiquer, vous partager les stories. Donc on va démarrer sur la direction full point à ce qui paraît elle est à 10 mètres de l'eau. J'ai hâte de voir ça. Continuez à regarder ce vlog jusqu'à la fin, vous allez vous en mettre plein les yeux. Du tilapia. Jabna il dit nous que je dois du je sais pas des galettes de noix de coco. Après comme boisson on a eu des, de l'eau de coco. Lhika, Asma, où je commande été. D'accord, t'as du tilapia qui m'a Anna. Amine, t'as une non Amine il a pris une omelette. Et toi? Tilapia et toi ça va? Tarzan. Tarzan c'est quoi ça Tarzan? Le tarzan personne? D'accord. Et toi Fessel? Du tilapia? Très bien. Le restaurant a droit à option chabba. Qui aime Hakaya mat kemmel chmaklta koulaf sa haka? Dis le makla hadia. Ou t'atiha le. Jimmy Sarin Sarin, very every cheese are very maring. Goma no, Goma no. On a une petite pause avec les amis, l'ami Hadata et Dino. Toute simple. Et des chiens.
Il y a de la verdure, il n'y a que ça en fait. De la verdure, de la verdure. Et attendez, je vous montre un truc. Il est comme ça. Néanmoins, là, on a fait full point. Ça veut dire que je ne suis pas en train de faire. Et c'est vraiment magnifique. Vous avez pas d'accent. Je vous fais découvrir l'endroit. Kamamiko ta kwani ha yaku ambara anaufuku chimeuvatizao kamamiko ta kwani ha sangati yauni andau na angala vita nao venga kumanu tulu chimetisi kwa tis anau debi debi kufana atinga kulapa. Du comité d'accueil le bahar ghalika salama dit le bahar ghalika. Alors il fallait absolument que je vous raconte ça. J'étais tellement contente d'arriver et de découvrir cette magnifique maison que j'ai fait la bise à toutes les femmes qui étaient sur place. Le pire c'est que tout le monde m'a suivi. Mais moi je croyais que c'était les amis à Higino jusqu'à ce qu'on découvre que ces gens sont des vendeurs qui travaillaient sur la plage. Vous imaginez Dar Hadid Galina? Yep. Même un deuxième étage. Hal? Ya, ya, ya. C'était ça notre petit chinois full point. Une grande maison toute en bois où on avait plein de chambres. Et c'était celle-là qu'on avait choisie. Ici, le lit de Sarah ou Asma. Parce que on a un peu de temps. On a un peu de temps. اللي كل بحر وين راه وين 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 ورايا البحر اللي حنعوم انا يا صايم مانيش مامنه تلموني فرحانه البحر سخون هايل franchement je remercierai jamais Faisal de m'avoir convaincu de venir ici. Merci Faisal, merci Asma, je vous love. Et puis voilà, alors aujourd'hui on va se quitter ici. Vous abonnez et vous mettez le j'aime si vous aimez, si vous aimez pas, mais je vous déconseille. Et ben voilà, à la prochaine aventure.